Non. Peintre de l'étrange, peintre de soi-même. Non, ça va pas, je recommence, hein. Excusez-moi. Peintre de l'étrange, peintre de soi-même, peintre de l'impossible. Valérie semble s'être évanouie au travers de la profondeur de ses toiles. C'est un peu comme si son œuvre l'avait engloutie. Évidemment, le mystère de sa disparition demeure entier, mais nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir celui qui... Celui qui quoi ? Celui qui a découvert Valérie, celui qui l'a fait naître à la peinture et qui se mit tout entier au service de son œuvre. Monsieur Darbon, bonsoir. Valérie. Valérie. Être de lumière, de rayonnement solaire et solitaire. L'amitié qui nous unissait se situait bien au-delà de mon métier, qui est après tout devant des tableaux, hein. Non, au-delà de tout ça, au-dessus de la peinture, au-dessus de tout. Je me souviens, dès notre première rencontre, j'ai immédiatement senti quel être c'était, exceptionnel, génial, chaleureux. J'ai pris rendez-vous avec votre secrétaire. Je suis les photos... Je vous ai apporté les photos de mes tableaux. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Nous ne regardons jamais les photos des tableaux. Vous pourriez peut-être visiter mon atelier? Nous ne visitons jamais les ateliers d'artistes. Mais c'est pas loin, j'habite juste à côté. Non, écoutez, tous mes rendez-vous sont pris jusqu'à l'année prochaine. Alors, hein? Mais alors comment? Allô, oui, qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour. Oui. On sera combien? J'essaierai. Ah non, maintenant je regrette, je suis pris, j'ai du travail. Je sais, mais... Non. Non, ça j'ai jamais fait, non. Oui. Là, oui. Là. Bien, je vous attends, 6 heures. Au revoir. Nous avons suffisamment d'artistes sous contrat. Plus de 600 peintres par an passent comme vous avec des tableaux, alors, hein? J'ai pensé que je travaillais... que mes tableaux sont dans le style de votre galerie. Que ça risque de vous intéresser. Vous voyez? Nous ne regardons jamais les tableaux.
faut dire que c'était le début de sa période blanche déchirée. Il y a toujours une déchirure avec Valérie. Mais franchement, en toute modestie, je peux dire que mon influence sur lui a été surdéterminante. Je lui ai trouvé un nouvel appartement digne de sa réussite, où il pourrait travailler comme dans une tour d'ivoire. Un peu de riz. Comment? Un peu de riz. Il est très bon, ne colle pas. Alors, mon intervention, voyez-vous, a été à l'origine d'une libération de ses influences. Il a repensé sa vie, et partant de là, sa peinture. Je lui ai dit, va. Et il est allé. Ça, c'est pour moi. Bonjour. Bonjour, je suis venue au sujet de l'annonce. Hep, mademoiselle, chacun son tour. Allez vous asseoir. Oh, elle a un culot, celle-là. Oh. Vous êtes malade? Non, c'est la pilule. J'ai peur de l'oublier. On n'en prend jamais assez. Du feu, s'il vous plaît.
bien, je vous remercie. J'ai votre adresse. On vous écrira. Très bien, merci. Non, 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 pardon, 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 par ici. Je vous en prie. J'ai vos coordonnées. Je vous ferai signe. D'accord. Une petite minute. La vie s'envole. Réveille-toi et reviens vite, pendant que ce n'est pas trop tard. Mademoiselle, je suis à vous. Ah non, pardon, c'est mon tour. Bien, pardon. Il est vraiment bien ce tableau, vous trouvez pas? Celui-là? Ah oui, elle est vraiment super. Non. Restez pas au premier degré, enfin. C'est un pied, planète, etc. Je vois toujours rien. C'est entendu. Vous ne pouvez pas me donner une réponse tout de suite, monsieur, parce que j'habite tellement loin. Non, je vous remercie. J'ai votre adresse. On vous écrira. Comptez sur moi. Au revoir. Un instant. Pourquoi ne vois-tu pas que ta vie est ici, avec nous, avec tes enfants? Laisse-moi t'aider. La vie passe si vite. Le monde est atroce, cruel, pourri. Ils s'en iront. Là, je peux te protéger. Tu es bien. Tu es à l'abri. Nous n'avons pas besoin de ces filles pour nous aider. C'est là qu'est mon foyer. Reviens. Nous pourrions recommencer ensemble. Nous irons voir toutes les autres galeries. Laisse-moi mener mes combats tout seul et revenir vers toi et mes enfants. Mademoiselle, c'est à vous.
Je vous remercie. N'auriez pas un petit peu... Non, j'ai votre adresse et on vous écrira. Bon, au revoir, monsieur. Non, mais écoutez, franchement, je sais pas, je peux pas venir un peu d'accord. Je vous écrirai, merci. Oh, on dit ça, hein. Bienvenue pour l'annonce. Bon, je vous prie de m'excuser. Nous étions tellement heureux ensemble. On ne se disputait jamais. Entre nous, il y avait quelque chose de précieux, de rare. Il y avait une telle unité que c'était un miracle. Pourquoi n'as-tu pas su l'apprécier? Tu es bien ici, tu es à l'abri. Je peux te protéger. Je peux t'aider ici, tranquillement. Je sais que tu étais heureux. Je le sais, mais tu es devenu aveugle. Tu as perdu le sens des valeurs. Tu essaies d'échapper à tout. Tu me déformes, tu me détruis. Si ça continue, je ne représenterai plus rien pour toi. Mais le monde extérieur est atroce, cruel, pourri. Tu es mieux ici. Je te protège. Tu vois, tu es bien. Crois-moi, c'est mieux comme ça. Asseyez-vous. Mais... Asseyez-vous. Le réfrigérateur... Vous vous appelez comment? Dans la cuisine, il y a... Votre nom? Hélène. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous aimez les enfants? Vous avez des frères, des sœurs? C'est la première fois que... Oui, c'est la première fois. Est-ce que c'est la première fois que vous répondez à une annonce? Oui. Et vous croyez que... Oui, je crois. Est-ce que vous croyez que ce serait possible? Que vous pourriez... Oui. J'espère. J'ai deux enfants. Aurélien... J'avais presque oublié qu'on pouvait espérer. Tu rêves. Réveille-toi. Ta vie est ici avec nous. Avec tes enfants. Ils sont innocents et tu les détruis. Ton fils a dit, cette famille est comme un arbre qu'on est en train de démolir avec une hache. Reviens vite, pendant que ce n'est pas trop tard. Moi, je n'ai vécu que pour toi, pour t'aider. Je t'ai laissé ta liberté. Et tu nous as enfermés loin de toi. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. J'ai besoin de quelque chose de solide. Sommes tous un mélange de personnes diverses. Pendant une période de notre vie, une de ces personnes devient la plus importante. On s'identifie à elles, mais les autres survivent. Elles sont cachées. Et peu à peu, elles grandissent. Elles se rebellent. Les personnages entrent en conflit. Et je ne sais plus lequel des moi est moi. Où mettre tout mon amour? Si tu n'en veux pas, je trouverai peut-être quelqu'un qui en a besoin. Pour savoir ce qui est le plus important, les relations humaines, le foyer ou la vie créatrice, il faudrait savoir pourquoi nous sommes sur Terre. Peut-être que je pourrais être encore heureuse. La vie nous donne une série de chances. Il faut que je retrouve l'énergie et l'imagination de la jeunesse. Tu me détruis. Rien n'est constant. Même nos conceptions, nos systèmes sont en transformation.
en mutation. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je dois me trouver. Trouver les besoins fondamentaux d'un homme. Des hommes. De l'homme. Tu me forces à agir. Tu le regretteras. Je vous remercie, mademoiselle. J'ai votre nom. J'ai votre adresse. On vous écrira. Valérie ? Oui, c'est moi. Vous avez demandé un réfrigérateur ? Exact. Le voilà. Venez, vous le mettez dans la cuisine, là, s'il vous plaît. Vous le placez dans le fond, juste à côté de l'autre. Oui. Oh, attention, attention, doucement. Mais pourquoi un deuxième réfrigérateur? Vous en avez déjà un. Mais deux valent mieux qu'un, et puis le premier est plein. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, je préfère en avoir deux. Vous voulez signer ici, s'il vous plaît? Oui, pardon. Attendez. Vous partagerez ça. Merci, monsieur. Je vous raccompagne. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Viens, je vais peindre ton portrait. Là. Bien. Tu regardes... Non, non, tu tournes la tête légèrement par ici et tu regardes vers moi. Le menton un tout petit peu plus haut. Là. Voilà, très bien, maintenant tu bouges plus. Hein? Tu sais, ça fait des années que j'avais envie de faire un portrait. Des années.
Agnès, mais elle est partie. Agnès, mais ils sont tous partis. Agnès! Agnès! Oh! Je comprends pas. Je comprends plus rien. Nous sommes seuls, vous êtes seuls, ils sont seuls, elles sont seules. Le ventre.
3 semaines grâce à une collection de muscles que vous serez fiers de montrer à vos amis. C'est ma maison, elle est à moi. Vous ne pouvez pas voler ma maison, mon foyer. Mais vous n'avez pas le droit. Mais non, ne partez pas. Je suis déjà en retard. Les enfants ont grandi. Ils sont partis. J'ai mis les enfants chez ma mère à la campagne. Je n'attends plus rien de la maison. Je veux travailler. Mon mari est trop grand pour ma petite maison. Il ne vient pas très souvent, et pourtant elle est très confortable, ma maison. Il reviendra, on invitera beaucoup de monde et ma maison sera très 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 belle. Elle est propre, vous voyez. Chaque jour, je la nettoie. Le lundi, le salon, l'entrée... Ça réchauffe. Mais pas froid comme vous êtes. Toujours froid ici, jamais de soleil. Je ne plains pas. La vie devenait intolérable. Cette fille, mon mari, enfermée là comme ça. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait continuer d'un jour à l'autre? Pourquoi est-ce que je continue à vivre? Répondez, dites pourquoi. Non, ne partez pas. Attendez, dois rester. Attendez, restez. Il faut partir. Mais je ne sais pas comment je suis arrivée jusqu'ici. Alors comment voulez-vous que je puisse sortir de là? Vous ne devriez pas parler comme ça. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes jeune. Vous avez fait quand votre mari vous a quitté? Je cherche. J'essaie les autres. Comment les trouvez-vous? Je les commande sur catalogue. Ils arrivent comme ça, avec tous les renseignements sur eux. J'ai reçu 3 paquets ce matin. Il y en a encore 2 autres en souffrance. Français, 1m78, brun, yeux bleus, né en 1934, architecte, 3500 francs de revenus par mois. 2 appartements, maison de campagne, petit voilier, Fiat Sport 850. C'est que j'ai été tellement déçue. Il ne faut pas abandonner l'espoir. Peut-être cette fois-ci. Anglais, né le 27-8-49. Très jeune. Blond, yeux bleus, 1m82,
étudiant en médecine. J'ai peur. Mais on va recommencer parce que faut pas perdre l'espoir. Vous voyez? C'est toujours pareil. C'est vide. Mais c'est vide. Au début, ça commence bien, on croit que ça va marcher. Et puis il n'y a rien. Mais les hommes sont pires. C'est peut-être la façon dont je les ouvre. J'ai pas les effets. Tu veux m'emmener? Oui, si tu veux, mais derrière, parce que là, c'est encombré. Merci. Bienvenue. Change-toi, tu seras mieux. Donnez-lui des vêtements. Pourquoi t'as la chemise déchirée? Vous allez à Paris? À Paris ou ailleurs? Je ne sais pas où aller. Je viens de quitter mon mari. Le premier, la première, qui ayant en clos une femme ou un homme, s'avisa de dire « elle est à moi » ou « il est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur du mariage.
cette époque de violence où la jeunesse se révolte, si les structures de notre société sont remises en question, quelle était véritablement l'attitude de Valérie? Il méditait. Méditait, la méditation. Disparaissait souvent. Je lui disais, où tu as été? Il me répondait, c'est joli ça d'ailleurs, il me répondait, je me cherchais. Hein? Moi, je le cherchais pas. Je l'ai trouvé. C'est la période où Valérie se réfugie dans la contemplation de son être intérieur. La période dite des autoportraits. Allô, oui? Comment allez-vous? Bien sûr, bien sûr. Il est occupé, il travaille. Tous les deux vendus? Oh, je lui dirai, il sera ravi. Bien sûr, bien sûr. Je vous fais livrer 5 tableaux, 3 petits formats de grand, d'accord? Au revoir. Youpi! Chérie, Stevens a vendu 2 tableaux. Tu sais les 2 qui étaient dans la galerie? Il nous en demande encore 5 autres. C'est formidable. Tu sais, tu as un talent fou. Tu es bien là. Tu es à l'abri de tout ce qui est commercial, de tous les gens pourris. T'inquiète pas, je m'occupe de tout maintenant. Tu n'as plus aucun souci à te faire. Chut. On sonne à la porte. Je suis sûre que c'est encore pour toi. Mademoiselle Hélène Triboulet. Oui, c'est moi. Tenez. Merci. Au revoir. Accord pour exposition New York, 22 septembre, stop. Envoyons contrat, stop. New York. Tu sais, chérie, excuse-moi, je te dérange encore. C'est la gloire. Nous irons à New York, une exposition personnelle aux USA chez Brooksons, la plus grande galerie de New York. Tu vois, tout va bien. Tu es bien protégée et moi, je travaille pour toi. Concentre-toi. Le téléphone, c'est sûrement pour toi. Ciao. Allô, oui? Oh, c'est encore vous. Mais non, je vous assure que ce n'est pas possible. Nous avons des frais. L'emballage des tableaux, le transit en douane, les frais d'assurance. Mais nous avons des frais considérables et nous prenons aussi des risques. Ce n'est pas possible. Au revoir. Allô, oui? Bonjour, madame. Oh, Valérie a été ravie de vous voir. Si, si, je vous assure. Il a été très sensible aux remarques que vous lui avez faites. Oh, il aimerait tellement vous revoir. Nous donnons un petit cocktail jeudi soir. Oh, vous pouvez passer? Oh oui, après minuit. Au revoir. Oh, monsieur, je vous assure que... Oui, j'ai bien reçu votre facture. Allô, oui? Oh, bonjour, monsieur. Je vous enverrai à chaque la semaine prochaine. Au revoir. Fantastique! Oh, ah, ça, c'est formidable. Allô? Oui, oui. Ah, non, non, ça n'est pas possible. Si, si, je vous assure. Oui, oui, vous ne pouvez pas savoir. Si, si, je vous assure. Non. Non, non. Hein? Comment? Si, si, je vous assure. Une semaine de retard pour les catalogues? Mais vous n'y pensez pas, le vernissage est le 27. Je vous dis que ça n'est pas possible. Non, il me faut ces catalogues le 15 au plus tard. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Mais ça m'est complètement égal, vos autres clients.
J'ai besoin de ces catalogues, il me les faut tout de suite. Oh, je vous en prie. Faites un petit effort pour moi. Je suis sûre que vous pouvez le faire. Vous êtes un homme tellement efficace et tellement débrouillard. Oh, je vous en prie. Il me les faut, il me les faut. Redites-le-moi, rien qu'une fois. Oui? Oh, vous me faites un tel plaisir. Au revoir. Je suis si heureux. J'ai prié, j'ai fait des neuvaines, des pèlerinages, brûlé 3000 cierges, il n'est jamais revenu. Il n'y a pas de bon Dieu. Madame, qu'est-ce que vous avez fait quand votre mari vous a quitté? Ah, pas, non, il ne m'a jamais quitté, mon bonhomme. Il ne me quittera jamais. Vous coupez les queues? Madame, qu'est-ce que vous avez fait quand votre mari vous a quitté? Bon, j'ai dit bon débarras. Et puis j'ai juré de jamais me remarier, alors. Parce que moi, je consomme le mari des autres. Madame, qu'est-ce que vous avez fait quand votre mari vous a quitté? Ça ne regarde pas son blog. Mais cela regarde toutes les femmes que vous pouvez aider à construire une société nouvelle. Quel mari? Le premier, Jean, très bons amis. Michel, ça a été plus difficile. Ce que j'ai pu pleurer. Le troisième, Richard, c'est moi qui l'ai plaqué. Merci, madame, merci. Jacques. Mais tais-toi. Je parle avec mademoiselle. Tais-toi. Merci, madame. Au revoir, mademoiselle. Alors, tu viens? Oh, tu es impossible, toi. Madame. Oui? Qu'est-ce que vous avez fait quand votre mari vous a quitté? Je l'ai assassiné. Acquitté en cour d'assises avec les applaudissements de l'assistance. Merci. Je vous en prie. Au revoir. C'est combien vos roses, madame? Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait quand votre femme vous a quitté? Mais comment ça? Mais qu'est-ce que Valérie a fait quand sa femme l'a quitté? Ah, ça. Ça a été évidemment. Heureusement, il y avait Hélène. Hélène. Hélène! Cette épiphanie, n'est-ce pas, c'est le mot. Elle était la métamorphose permanente, tantôt brune, tantôt blonde. Son petit chignon, blond et phallique, c'est le sommet de sa tête. C'était quelque chose. Elle avait le sens des formes, n'est-ce pas? Ses robes, des petits morceaux de métal, ça et là, même la peau. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à comprendre comment il fallait évoluer. C'est trouver le trou, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma robe. Qu'est-ce que c'est que ça? S'habiller, ça doit être un jeu, n'est-ce pas? C'est comme là, ça a une fonction ludique. Non, il faut quelque chose de différent. Croyez-moi, tenez, j'ai des nouveaux clients, des Texans bourrés d'argent, ils connaissent tout, ils sont blasés. Ils ont des machines de Tinguely dans le parc, des sculptures de César dans le garage. Eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Du nouveau, quelque chose de différent. On pourrait racheter le pont d'Alma qu'on est en train de démolir et peindre des fluorescents descendant jusqu'à la Seine. Peindre, mais j'ai dit quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, alors. On pourrait prendre des structures gonflables, le public entre dedans,
et on crée des formes dans l'évanescence. Des formes. Non, mais pensez nouveau, pensez, je sais pas moi, à des choses d'un autre monde, hein? On pourrait, ça c'est du conditionnel. Parler au présent, affronter le présent comme un éternel futur, ça oui, ça non. Attends, on met 4 tonnes de couleurs dans la galerie. Mmh. Un explosif. Oui, alors. Et boum. Boum, mais on a déjà vu ça 400 fois, mon petit, non. Je vois quelque chose de très beau. Beau, alors, il y a 25 siècles qu'on s'est lassé du beau. Vous ne comprenez rien, je veux de l'anti-pop, de l'anti-off. Décidément, vous manquez totalement d'iconographie sémiologique, de minimisation conceptuelle, et surtout, vous n'avez pas un brin d'extrapolation cybernétique, hein. C'est peut-être vrai. J'ai jamais pensé à ça. C'est Dumaine, le collectionneur. Occupez-vous de lui, parlez-lui, faites n'importe quoi, hein? Moi, je sais pas, j'ai horreur de vendre des tableaux. Monsieur Darbon, je vous prie. Il est sorti. Je peux vous offrir un catalogue. Merci. C'est très, très intéressant. Valérie est notre jeune poulain. Il a une telle topographie du traumatisme. Vous ne trouvez pas? Oui. Pour la galerie, j'ai pris les meilleurs qui se trouvent dans son atelier. C'est une série? Une édition? Il va tellement au fond des problèmes, avec une telle pénétration dans la logique de ses obsessions, que tous ses tableaux sont identiques. Oui, ça me paraît inévitable. Je savais que vous comprendriez. Darbon m'a beaucoup parlé de vous. Vous m'en réserverez? Combien? 25 mètres. Je vous l'emballe, saignant aux enzymes. Grand standing. Pleine peau. Clé en masque. En tranche. Ou poutre apparente. Produit d'exportation. Garantie 6 mois. J'achète tous mes tableaux les yeux fermés. Heureusement, Darbon est là. Libre? Ça dépend. Pas d'attache. Dites-moi, vous connaissez ma collection? De réputation. J'aimerais bien la voir. Alors, allons déjeuner avant. Bonne idée. Nous étions unis. Je le rendais heureux. Il s'endormait, je l'ai réveillé.
Il se perpétue dans nos enfants. Il doit se dépasser. Vous ne le connaissez pas. Il ne se connaît pas. Valérie, nous sommes très contents d'exposer chez vous. Je vous donne 20% comme prévu et 33% pour la deuxième série. Je comprends, votre clientèle apprécie les petits formats. Oh, ça alors ! J'en ai marre ! Non, 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 non. Hélène, oui, la peinture, non. Oh, monsieur Darbon, soyez gentil. Calmez-vous. Coupez, les gars.
rien. Tu m'avais promis laisser Dacier tranquille. Toi non plus, tu tiens pas toutes tes promesses. La conquête de la Lune apportera peut-être l'émancipation de la femme. À propos, tu n'as pas remarqué que j'avais lavé les rideaux hier? Jusqu'au 14 juin, il y a la quinzaine des prix de vacances. L'espionne est-allemande échangée par les Français cachait ses renseignements dans des poupées. Le fossé entre les pays riches et le tiers-monde ne fait qu'augmenter. L'hiver prochain, nous aurons le chauffage central à modulation électronique, appareillage intégré, accélérateur, coupe-tirage, vase d'expansion, boîtier électronique entièrement incorporé. Cependant, cette gestion devra éviter de transformer les hommes en robots fichés sur cartes perforées. Les ordinateurs annoncent que dans 20 ans, nous serons capables de changer de sexe à volonté. Entre nous, franchement, vous le savez bien, qu'est-ce que devenue Valérie, dites-le-moi. Je vous l'ai dit, il ne cherchait pas son visage, il cherchait plutôt à lui échapper, à échapper à cette vie tracée, rassurante. Il refusait toujours, il refusait, il ne voulait pas d'une femme béquille, il ne voulait pas non plus d'une femme PDG, la Valérie Compagnie Limitée, non. Alors, il a tout essayé, l'unicité dans la pluralité, la singularité dans la diversité, et puis finalement, l'ennui dans l'uniformité. Non, croyez-moi, cher ami, Valérie, il est ailleurs. Ailleurs? C'est pas ici, c'est là. C'est pas là, c'est ici, c'est là-bas. Ailleurs? Plus loin? De la profondeur des eaux noires turbulentes, vers la lumière radieuse et éclatante, dans l'air léger et clair, volerons-nous jamais?